akaongele neno lako kwa muda kidogo ulibariki kwa ajili ya wenye kuhitaji kukamilika na mwenye atahitaji kuelewa roho wako wapate kutuelewesha jina la bwana wetu yesu kristo amen, amen. Mama kusoma neno la mungu 4146 Katseza. Katseza. timoteo ya kwanza ne, sita timoteo ya kwanza sura yake ya kia, ne, na aya yake ya 16 ikiwa sote tumepata na tusome katika jina yesu kristo bwana wetu ujiangalie mwenyewe na mafundisho yako dumu katika maneno haya Ma ana, kwa hivi, wa ue, nao ambao Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est vrai. Hein? Persévère dans ces choses, mmh. car en agissant ainsi, tu mmh. te sauves toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Mm. Béni tes enfants que nous sont présents ici. Amen, amen. Bénis tous ceux qui l'écouteront à distance ou de près. Alléluia. Bénis ceux-là qui nous suivent en ligne. soit avec tous ceux-là qui souhaitent la perfection. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Wabariki, Shalom. 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 Amen. Papa, nous datoulionaons le temps que nous avons c'est sur des questions-réponses. Nous datoulionaons ni quoi agir il y a ma soi li na majibo. Il est impossible de répondre à toutes les questions. Hayo ezekane kuya jibu maswaliote. Ou de donner des détails jusqu'au petit détail. Aukupana ma elezo yafaa yo. mo dogonous tâcherons de donner des réponses sous forme de snthèse tutapita hidi kuleta majibu yanayofunga mambouste montrer ce que nous croyons ili tuonyeshe wazi yale tunayoaminice ue nous croyonssur cechoes namna tunayamini kuhusu yalesi aura le temps de donner es enseignementdans ledtailikiwamdutakuekoupa Nous les donnerons un autre jour. Mais les questions-réponses veut dire donner ce que vous pensez sur une chose. C'est différent de donner un enseignement. L'enseignement prend tout le temps sur un seul point. y a.

nous ne croyons pas. Pourquoi nous croyons, pourquoi nous ne croyons pas. Alors les petits détails sont des fois nécessaires pour des prédicateurs. Mais pour les croyants ordinaires, il a besoin de savoir est-ce que nous les croyons ou nous ne les croyons pas. Et je donne une remarque. Mon intervention ici ne vient pas dire à mal contre une quelconque église ou contre quelqu'un. Je ne cible personne, que ce soit ici ou en ligne ou là où mon audio arrivera. Je ne cible aucune église.

Yana Et que vous pensez que je me suis trompé, cherchez-moi pour me donner ce que vous croyez être vrai. Ni ili ni vous m'aurez aidé aussi. Mais ne me critiquez pas. Cherchez-moi, dites-moi, moi je crois ça, vous avez dit c'est contraire à ma foi. Garde ta foi si tu es sûr qu'elle te fera arriver. Mais moi aussi en tant que prédicateur, j'aurais difficile de ne pas dire ce que je crois dans l'église dans laquelle je suis responsable. Et dans notre église, devant les gens pour lesquels on me demandera des comptes. Tout simplement parce que je crains que quelqu'un m'interprète mal. Je suis responsable de ce que je crois être vrai. Le reste, c'est à prendre ou à laisser. C'est ce que moi je vais prêcher.

Je suis clair là-dessus. Les questions sur les septembre semaines de Daniel seront répondues un autre jour. Mais nous On dirons sur des, sur des questions sur des questions doctrinales. Les questions doctrinales, ce sont des questions qui divisent des églises. Il sépare les gens. Watu. Il faut que les gens aillent de l'autre côté, les autres de l'autre côté. Et c'est ce, ce que, que moi j'aimerais parler. Parce que je sais que c'est là où se trouve un peu la vérité. Voilà ce que moi je voudrais parler ce matin. Alors, une question aoswale la que signifie le mariage mixte? Ça ça. Ndoa ya mchanga niko nini. que veut dire mariage mixte? Ndoa ya mchanga niko nini. Le mariage mixte veut dire quoi? Ndoa ya mchanga il se pratique de trois façons. Ya fanyika nam na Un, namna tatu. Ah, ya kwanza. En garçon, nikijana pa anaenda e Brian ni fee pa yane, Ana binti la Marie. Dioamini la Marie, Marie. anamuo et revient d'à l'église. Ana, rudia kanisani. 2 Billy, un garçon ou une fille sensibilise un garçon au baptême, lui fait le vœu de le marier, ana mupa kumuowa, lui oblige de venir se faire baptiser pour qu'on le marie. C'est un mariage mixte. C'est pas parce que si kwa sababu, tu viens de lui promettre que tu l'amènes dans l'église qui empêche d'être mariage. Je vais vous donner des situations. Ma le mariage mixte, c'est quand tu es dans l'église tu décides d'aller dans le monde mudunia, tu te maries o, et tu restes là. Na una tout ça c'est le mariage Migné. Retenez bien. Je serai mal compris. Mais que celui qui me comprendra mal me donne l'écriture contraire. Parce que je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Regardons d'abord ce que la Bible dit au sujet du mariage émis. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 7,3, Lorsque l'Éternel est ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. Tu si ne contractera point de mariage avec ce peuple. Si yale, tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Si panne, wa binti, wa koko, kwa, vidjana, Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Na, basi to lake wa, wa binti zako kuwa wake zao ba garson yako basi bebaki mafie ba cool ndio ka maana il détournerait de moi tes fils watatosha watoto wako kwangu qui servirait d'autres dieux et à la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous il te détruirait promptement wa ndotumikia miungu mingine na hasira ya Mungu itawaka juu yako na atakuharibu haraka tusikilizane to elewane to yokana elewane vizuri tusikilizane mzuri amen usivapatiake fie wako ndio navo wasitwalake wakwakousiaake Na fie kwavo navo basitwalake fie wako nausimatagro wavo matia kwamatia ndio mungu amesema mm. Okay. Mm. Mm. Josué 23, 11. Là, je ne lirai pas. Mais je vais lire Genèse 27, 46. Rebecca dit à Isaac Rebecca Je suis dégoûté de la vie. Nina, na ni kif. Dio. à cause de ce fille de Hetz. sababu ya wale wa binti wa hiti si jacob prime fie comme celle-ci kama yakobo atatua wa binti kama hawa parmi les filles de het miongoni mwa binti wa hiti parmi les filles du pays miongoni mwa wa binti wa hiti kwa meser la vie kuishi ina maana gani kwangu rebeka Rebecca a vu Jacob son fils. kaona Elle va dire quoi? Si mon garçon prenait de ses filles, alors

unaweza vistasikia meko na komalisha ba garson amen amen sa tunamukimia kwa hapa usikwe una rampea seme tuko na chuki ndiyo nabisema hapa amen amen ukona niangalia hivi sa tukukuza umu usianza sema seme pastere ni wamakali amen da amen ndakufukuza sirbazi ya maandiko amen Écoutez, c'est comme si des parents Écoutez ceci comme des filles, écoutez ceci comme des garçons, comme des ministres. Vous répondrez au jugement. Et ma responsabilité, je suis en train de me laver les mains. Aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas. peut quand ce garçon commencera à venir négocier ta fille, tu commenceras à dire Eh, ni ne faut

C'est la responsabilité. Et je m'en fous de ce que les autres vont dire. Na Chacun est responsable devant l'église dont il a reçu la, la garde. Isaac appela Jacob. Isaac a le bénit. Les bénit. Akambariki. Et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme mais parmi les filles de Canaan.

Amen. 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 Shalom. Shalom, Alors. Ça, ça. Vous avez vu comment Salomon en a pris? L'homme lui a mené. s'est fâché. Il a commencé à frapper même les gens qui en avaient. Ka na -y Samson en a pris Delilah. De les yeux sont sortis. Macho et vous connaissez tout ça. Hayo te muna Dans le Nouveau Testament, il y a les versets qui interdisent aussi le mariage mixte. 1 Corinthiens 7.39 Une femme elle y est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Eti, wakati mume wake Mais hai. si ce mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut

Katia haki na uevu ukia til de commun de comment entre la lumière et les ténèbres kuna upatanogani katia nuru Quel accord kuna no y a-t-il entre christ et belial nakuna patano gani katia christo na sheitani ukele pa el fidel avec les na muamini ana patanogani gani na msio amini okay sawa ok. okay Mhm. Mm Maintenant allons dans le message. J'ai déjà donné des versets. Nimetoa mashahidi ya Biblia, si un ne croyait pas au message. Kama hauamini ujumbe, allez eh. appliquer cette verset. When the wish is the shahidi za Biblia. Eh, eh. mimi napa eh. na huku, napa na huku. Na oh bila ni vya brother nam, nimekupa Biblia. Wende eh. eh. timiza Biblia. Usisemaye yale ni mafundisho ya brother. Eh. Biblia sasa imekwambia. Eh. Njoo vile. Oh bila ni vya Biblia ni chakupa.

Ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas. Vous ne devrez pas faire cela. Peu importe combien il est mignon, et combien il est mignon, et combien il est de gracieux, ils finiront tous par se faner.

Muamini wa kweli ne vous mettez pas sous un tel joug ou si je dis ici hiyo vrai croyant muamini wa kweli wewe uniona na kutosha mudunia deux semaines après bana ni vrai croyant wewe wapi eh wapi barisha kwambia un vrai croyant il awe muamini wa kweli

tu dois te repentir pour les paroles mauvaises que tu as proférées à l'encontre de cette position. Frère, le continue. Si elle n'est pas une vraie croyante, quand je dis, elle te dit le musique si elle n'est pas une vraie croyante, ou si elle n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Si Éloignez-vous de pareilles choses. Hey, hey, hey. Cela vous causera des ennuis le long du chemin allez faire les statistiques 80% de ceux qui ont fait le mariage mixte suent toujours brana me prophète Il a dit cela vous causera des anou le long du chemin si vous l'avez fait ou vous le faites vous finirez toujours par pleurnicher et qui a brana ma alisema bitakuletea kama maisha ukibifanya au utavifanyaka mwisho tu utatohaka tumachoziisipokuwa ilisemwa na nabii wa kweli ujumbe unaoitwa kujitenga na kutoa mtawa kumi na sitailihubiiwatarehe makumi na februari Vous, vous savez, savez, les amis, marafiki. je vous assure ce soir, et vous, jeunes dames, faites attention à la personne que vous épousez. Vous vous retrouvez bien vite avec un foyer brisé. Et il n'est pas bon

Est-ce que tu ne crois pas, mon Genèse 24, 3. Et je te ferai jurer par l'éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Ou si wa mukanani ambao tunaishi ndani pamoja nao do a c'est ce qu' abrahamu disa eliezer ila ni maneno abraham aliambia eliezer il lui a fait jurer akamulapisha je ne pas prendre pour son fils un amba asitualie isaka mwana wake binti mkananaeporai eteir rr ningesimama uenye mimbari ii peairemes paren prsen i niambie wazazi wenye aetiaioneo wakati kibali unacho tane a seiena wakati yote taeev evanean usiitikake kijana wako aowe si d'Abraham. Si vous êtes de la semence d'Abraham, ya... prenez la Maman même Maman position. Abraham. Je dis ceci. ce Abraham a fait. L'île Abraham l'a fait. Nous devons aussi le faire. Na, si tu pas pas choisi Abraham a dit à Élisée. Et que Abraham l'a dit à Élisée. Ne fais pas attention, n'amène pas à mon fils une cananéenne. Ou Isaac mon mon nous avons la même responsabilité aujourd'hui. Le temps de décision, on ne le temps. Le temps de décision, on ne joue Paragraphe 28. Ainsi, il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision. Qu'il soit prédicateur, Awe, Muhubiri, prophète, Nabi, membre de l'église, ou que sais-je encore, si nani, il doit prendre une décision. Paragraphe 9. Dajwaki Et ce temps-là arriva. Et Abraham était déterminé a ka amua. à ne pas laisser son fils épouser une incroyante. Abraham a déterminé à ne pas laisser son fils épouser une incroyante.

Uh -huh. hamuyamini ndiyo Hamu kabisa. weikabisa hamuyamini unaona muzazi iko nasema sitaki ndiyo unamukatarzia nini abrahamu alikatala ujumbe inakatala ndiyo kisha unazambo mubione tu eh. <todic> Okay, okay. Et ce temps-là arriva. Et Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils épouser une incroyante. -ka m m -wake ce serait une bonne décision pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui sont fils et filles d'Abraham de prendre la même décision pour leurs enfants, eh bien, Vemma. peu importe combien jolies elles étaient, ces filles incroyables, combien belles elles étaient, des belles femmes. Abraham ne voulut pas cependant, ne voulut cependant pas que son fils s'associe à ce genre d'histoire. Hata Abraham Hakukubali kwamba wana wake aji unge na mtindo oyayo wana wake. Et si? Quoi? Il a dû passer un temps de décider qui son fils devait épouser. Akawa namda wakuamu aninani atakuamuke wamtotowake. Mama mimi nataka oa. Eti mama nataka chumbia. Mama kuko garso mwenye kuna nataka ni Premier mm -hmm. kesho na ni nani na naamini nini? Ni. Voilà. C'est de ton droit comme un fils d'Abraham. Ni haki yako sawa mwana au binti wa Abraham. OK, sawa. Oh el betel ni ba makali babo habaitika. tunaitika tu. Tondimi likambwana

Paragraphe 12. Il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche. Il une table ronde avec les adolescents de Louisville. L'une des choses importantes, c'était qu'une fille trouvait les garçons aux cheveux bouclés. À Kiona.

unaanza kaangalia machafu na himacho maziba ikwaye o oh oh, 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 bila meme kujiuliza eske ni mkristo ah, ah. hey. Ah, ah. ndio mama mimi nasikia namupenda ni mkristo unampenda momo no, oh, oh, oh. ni waya na mimi unampenda kwa ni wa yo yo, yo. yo, yo. mtakoma ndio Ça semble être la chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver Dieu votre Créateur. Ne contractez pas de mariage mixte. Mariez un garçon qui croit exactement.

On ne croit pas de la même façon. Wanawake wadada na makanisa zenu wanasuka nywele. Siwezi kukupatia msika wangu asifike kule mwanze kumsukisha sababu hatuamini katika kusuka nywele. Je dois vous dire la vérité. Nitasema parce que, que moi j'ai peur. Sababu si j'ai honte des yeux des gens. Nika ogopa macho ya watu. Je me jugera. Mungu atani hukumu. Hier j'ai prêché c'est si la pression que les hommes sont saisis quand ils veulent plaire les hommes je ne peux pas te donner une fille qui met le foulard pour l'amener dans ton église là où tu vas lui dire avant d'entrer fais sortir, si je ne te donne pas ma fille frère je ne te la donne pas je ne te la donne pas Exactement. Qu'on se dise la vérité. Moi, je ne crois pas à la polygamie. Je te je donne ma fille. Elle arrive là-bas. Vous dites Tout est permis, frère. Vous mariez une deuxième femme. Ko, Et pili? vous faites la bénédiction du Maria Parce qu'il y a maintenant des assemblées qui ont béni un deuxième bureau. Na, pili, sababu leo kuna pili. Ma fille serait en train de pleurer comme ça. Tout simplement. Et vous dites Sœur, tu dois accepter messages. ce message. Aujourd'hui, aujourd quand quelqu'un doit venir marier à elle, 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 je dois le checker. Je mmh. dis à la fille Je n'accepte pas. Si tu pars, tu pars. Si tu ne vas pas, tu vas. J'ai droit de te donner un conseil comme pasteur. leo mtu akikuja awamusika wa hapa napaswa kwanza nimchunguze nione anaamini nini na haamini nini niniuatemarieayer cette ce croit comment? na ukienda olewa fasi ingine nitakuuliza lile kanisa linaamini na vous. sababu kuna mtajo inayosema kwamba anapashwa amini sawasawa na wewe

Bon, écoutez-moi. Hein. Ça, ça, on doit prendre position pour la parole, peu importe ce que les gens penseront. Hein. Moi, je te donne ma fille. Mien, chez vous, Quako, dans votre église, vous adorez Branham. 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 Ma fille arrive. Et le pris au nom du Seigneur Jésus Christ. Kwa jina la Yesu Vous lui faites genouiller devant la photo. Elle sera tourmentée Amen. Amen. Ah, Kie wanani walehuyu aliye katikati ni naninhuyuawa nani wanawake wanaokuwa pembeni yake wako namna gani Ele so wako namna gani so mnawaonajekwenye vichwa vyao kuna nini

Je sais qu'il y a des qui vont quitter dans les groupes WhatsApp en suivant cette prédication. Quittez si vous voulez, mais moi je dois parler. Et je veux que la personne qui projette projette ça. Je vous attends. Projetez déjà sur WhatsApp. Je quitte sur YouTube. Projetez avant que je n'avance. On enye mwajuaiya de moment ouleja croa que nous ici on s'est perdu kuna watu wengi wanazania kwamba hapa tulishakapotea potea vous rencontrez le gens de dehors ili vousfau douter meme de ce que vous croyez unapokutana na wale wa nje wanakushakisha na vyenye unaamini parceque peut être je nai jamais preché a sa. sababu huenda si ja yahubiri mai je dos precher napaswa ni yahubiri ce ma wangu Ok, Sawa. Alors, j'y vais. Ça, n'a endaya. Marier celle qui croit exactement comme vous. Et quand on dit exactement. Na Vous savez, marier c'est quoi? Vous savez ce que veut dire marier? Marier commence par le vœu. quoi Kwa Et moi je vais vous dire une chose. Ça, ta mimi, ta Suivez ça très très bien. C'est là où j'ai le problème avec certains prédicateurs. Ils croient... Que se ya kwa de se marier, c'est lorsque vous venez, <laughs> que vous venez à l'église pour faire le mariage. Kwa non. Apana. Le mariage commence par le vœu. Lorsque vous êtes en train de dire à la personne, je vais te marier, c'est là où commence le mariage. Alors, ils ne font pas négliger les gens en disant, tant qu'il n'a pas encore amené la fille dans l'église, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. non. Le mariage commence par le vœu. Écoutez, C'est qui Ça c'est Tout à l'heure Toi tu as un frère ouais, ouais, Tu quittes une église comme celle-ci Nous, Nous avons des soeurs Qui ont cru, qui, ont cru qui, sont qui sont venus suivre Jésus Tu les laisses Tu pars dehors Dans le monde, Dans le monde. Ou bien dans les dénominations. Voilà, quand tu prends une fille, une Y ou toi, binti flani, tu lui dis, je vais te marier. Una mamia nita kuowa. Devant Dieu c'est quoi? Bela mungu nini. Devant Dieu c'est quoi? Bela mungu nini. La fille n'est pas encore venue à l'église. La fille n'est pas encore baptisée. Mais quand il lui dit je vais te marier, mais comme chez nous on ne va pas accepter, viens chez nous, on te baptise et puis je vais te marier. Mais le jour où tu lui as promis le mariage là dehors, tu es déjà marié devant Dieu. Parce que le vœu, c'est ce qui nous marie. Et c'est là où beaucoup de prédicateurs ne me comprennent pas. Et toutes les églises qui ont autorisé le mariage mixte. Le jour où vous commencerez à combattre le vœu, Des filles de dehors avec vos filles et vos garçons, vous aurez réussi les mariages. Ça commence par la promesse. Ne me dites pas, bon, tant que le, le n'est pas encore baptisé, bon, quand tu le dis, tu peux venir, on te baptise. Mais, non, le mariage, c'est le vœu. usiseme ya kwamba wakati yote angali kule nje hayakuwa shida hapana ndoa ni naziri le pasteur viendra vous marie ici à l'église. Ndio, ndiyo mchungaji atakuya kuwa Owani sasa hapa mkanisa The le jour du mariage est ici que se fait le mariage siku ya harusi hapa ya kwamba ndio ndoa Mbiweke mzuri Amen amen Ndoa haiko siku pasteri kuna barikia hapa Ile siku mulipatana na mwanzo kama mutaolewa na ngali mpagani Umeulenda ao mpagani Amina Mkipenda msirike Eh <laughs> eh mtanipatia karezo siku mon ndiyondo mukipenda mukwazike nd kama na beo ya mungu kama injo kweli amen, amen. na kama tunakataliaka mutu kwenda leta ma nktalkakwenda ta tunji multeke kule aishapatana naye kuowana anamuleta tumubatize me ea mbele ya mungu ni yake Ehe. mungu alikamle naziri mueta, yenye kule. Amen

T -t Joseph, Josephu, ne craigne pas de prendre avec toi Marie ta femme, ou si Maria mkewako, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Voyez-vous, alors qu'il était déjà fiancé à elle, li li pour Dieu, mungu. lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle. Est-ce que vous bien Pour Dieu, mungu. lorsque vous êtes fiancé à une femme, wakati vous êtes marié avec elle.

Paragraphe 189. Hébreu chapitre 7, 15, 9, 57. Okay. Paragraphe 189. Mon frère, frère yangu, quand vous faites un vœu, naziri, vous êtes lié par ce vœu jusqu'à ce que la mort vous libère. C'est exactement vrai. Certainement, Bila Shaka. quand vous faites un vœu, cela vous lit. ile naziri na kufunga minakosa kamba Yo. nani mwenye iko na kamba hapa boluk munitafutie kamba munitafutie kamba ta kable pale. Kamba. Très bien mkuse, eh? malashi venez. Moi, je suis frère du message. Mais pour ne pas faire une mauvaise démonstration, j'irai chez ma femme, mais je suppose que c'est une païenne que je n'ai pas récupérée dehors. Pour les gens qui me suivent c'est ma femme avec laquelle je ferai la démonstration. Ce n'est pas la femme d'autrui. les pasteurs commencent à récupérer les femmes d'autrui dans sa prédication. C'est ma femme. Que nous dit la parole ici? Neno, ni Quand vous faites un vœu, Unapo, Naziri. vous êtes lié. Donc vous êtes mariés. Moi je quitte la parole. Supposons que là c'est le monde. Tu sem, tu je laisse mes frères. Je laisse mes sœurs, J'ai déjà détecté une femme là-bas. J'ai déjà détecté une femme. Adventiste ou musulmane ou païenne, regardez comment maintenant je pars me lier avant que même les pasteurs ne le sachent. Samuel, Samuel va à la chertier, pasteur. Sami, mi regardez comment msouna. les gens font les mariages et mixent secrètement. Il si. va nous lier. A... Mdougou, mzuri. Je sors. Je, je sors. Pas...

Tu. tu peux venir chez nous On va te baptiser -baptise. Et Puis on va se marier Il y Le pasteur Samuel ne sait pas Samuel yaya hanahabari. Ici je suis où Dans le monde Je suis en train de donner le vœu à qui Une païenne On le veut, oui. nous lit. Donc, le vœu, c'est le mariage. Manake, Donc, ici, je suis en train de me marier à une païenne, mais le pasteur ne sait pas. Maintenant, comme c'est le vœu qui nous lie, Bo, bien nous lier. Tu Kanga, tu nous bien. Casakamba ou toi tu kisses Tu cocote Bassiovale je l'amène chez je, je nous partons et tout Nainda va dire à celui-là que tu vas te faire baptiser, mais ne lui dis pas que c'est moi. Wende Ouambie à côté la Kino si Wambié Kwamba Mindjon et Kambi. Allez, parlez.

Wanafunga. On est Wanafunga. lié. Par quoi Les vœux. Devant Dieu, je suis marié. Le mariage a commencé quand Là-bas, on était déjà assis. Bo, nous avons fini le baptême. Bo, tu Elle est rentrée à sa place. Les fiançailles ne sont pas encore annoncées. C'est un secret. Ingalisiri. Mais devant Dieu, je suis déjà. Bon, Ça va. Elle rentre à sa place. Alors je lui donne un briefing. On va se marier quatre mois après pour que les gens ne sachent pas. Assis-toi. As. C'est jusqu'à la mort. Non? Eh. Ne coupe pas la corde. Un Le mois, deux mois, mois, trois miézi mois. Quatre, t es, t es. quatre t es, t es. mois. Je n'ai pas annoncé au pasteur que je vais me marier. Je suis toujours lié. Vous voyez comment le câble avec elle, me Mélis. Pasteur, je vais me marier. Je vais me marier. Il y a une sœur qui s'appelle Clémentine. Elle est baptisée. C'est une sœur en Christ. C'est une sœur en Christ. Mais bon. Je l'aime. Bon, maintenant c'est le jour du mariage. Viens nous bénir. L'église croit que c'est le jour du mariage. Mais le mariage a commencé là. pasteur. Maintenant, il est là. Ça, ça, question, question, question. Lise, o, on s'en genou. Ok, on a Bénis-nous. Il a fini. Allez, Alors, les gens disent ils y sont liés. Jusqu'à hey. ce que la mort vous sépare. C'est le jour du mariage ou bien c'était là-bas. Tiens ici pour y arriver ça on t'angia wa kule. Et les gens disent quoi tu en Non non. Non. Appana. Alléluia. Ah, mina. Lisons l'écriture. Tous sommes mandico. Continuons frère. Tu en endelea ndugu. Continuons. Tu en endelea ndugu. Écoutons tu sais qui est? un peu

oui, une... nous, nous avons été mariés 21 ans par les juges d'épée. Était-ce mauvais? Paragraphe 54. Oui, c'était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Il kwenu hivyo maana, ni ya mungu. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Mais, quand vous êtes marié, voici à quel moment vous êtes réellement marié. Ona ni kwa katigani, muli wale, muli kwa kweli. Vous êtes marié lorsque vous vous faites le Vous êtes lorsque vous vous faites le vœu l'un à l'autre. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je suis arrivé d'être haï par certaines personnes à cause de ça. Vous êtes. Écoutez. Mais voici à quel moment vous êtes réellement marié. Tazama.

Que vous allez lui être fidèle, que vous l'acceptez comme votre mari, à ce moment-là, vous êtes marié. Mume vous souvenez-vous que je l'ai expliqué la semaine dernière? Je crois, voyez-vous, que lorsque vous lui promettez, c'est comme la C'est exactement la riiaicete promee ilsise de mo ce la meme oeni so kweli ni wakati alipompatia naziri ndio alimuoa hata iwe ni kwangu mimi itabakia vile, vile. Sikia. Amen. Sikia. Amen. Ndoa. haiko siku ya kubabarikia Le jour de la promesse, akaitika. kabikamata vile. Amen. Alors une question c'est celle-ci. Pourquoi l on l on dit les églises attaquent les mariages mixtes visibles aux yeux des, des hommes? Mais ils n'attaquent pas d'abord cette promesse là à la mondaine. How hiyo ahadi inayopaniwa kule mdunia alorsue cela ucomence le mariage na pale njo kwenye ndoa inaanzia inaanziaoanitelelati ijalpar prometre ain payene illamariera cetepomeeedejmariae anaenda aidia mupagani kazi ya kwamba atamwoaka ile ahadi ilishakuwa dieu ilishakuwaoieui Païenne. Devant Dieu il est dans un mariage Mix Parce que quand il lui fait le vœu Elle ça. ne croit même pas exactement comme lui Vous allez me dire mais pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas une citation où Le frère Branham dit que vous pouvez lui dire De venir dans votre église et vous allez vous marier Les gens interprètent ça mal je vais, je vais terminer dans moins de 15 minutes Faites-moi le temps Moins de 15 minutes je vous libère

Akafanya urafiki na Ahabu. C'est à ce moment-là qu'il a eu des ennuis. Nikwa wakati ule alikuwa na matatizo. Ora Shab. Ingala umeke pas le monde de qui cherche à se lier d'amitié avec vous. Wakati unatafuta dunia ifanye urafiki na wewe. Souvenez-vous tout simplement il y a anguille sous roche. Kumbuka ya kwamba nyoka iko nyo chini nyo ya lijiwe Lorsque vous acceptez ces petits fumeurs. Wakati unaitika ule mvuta tumbaku. Des génomes. Qui veut sortir avec vous la nuit? Vous jeunes filles, vous les filles pentecôtistes, et ce petit buveur au chevet à ses lycées pour garder sa bouche ouverte. Laissez-moi vous dire une chose maintenant. Il y a quelque chose qui se prépare. Il a dit: Je vais t'épouser, cher. Benzi. Ensuite, Kisha, je vais adhérer à ton église. Kisha, nita, je vais t'adorer. Je vais t'épouser. Ben Ensuite, Kisha, je vais adhérer à ton église. Nita, Il est en train de vous mentir. Il vous aime. Et qu'il aime le Seigneur. Il le fera à ce moment-là. Il ne doit pas vous prendre. Hapa kukupeleka, kukubeba. Hapa shwe kukuo wa. Donc s'il si t'a déjà dit. Que je adorer à ton église. Nita abo do mukanzala Il ne doit pas te marier avec toi. Nana nita kuwa. Il ne doit pas te marier. Hapa shwe kuwa. na tulisha cheza mit masiku mingi ndio ndio na tukakamata vitu vimoo saa wa kawaida <laughs> na ikakuwa kuonekana saa vile ginzi mutu mwenye anasema kubitu naonekana ni mubayakweli itabakiaka tueia evleo eh, na ninyi waume veuen Qui restait en compagnie de ces petites Jezabel maquillées. C'est la même chose. Vous ne devez pas faire cela. Honte à vous, pasteurs, qui ne disent pas cela dans leurs églises. Honte aux pasteurs qui ne disent pas cela dans leurs églises. Nous sommes des gens appelés hors du monde.

mipaka inaandikwa mpaka hapa kwa namna ya eti tunajua mipaka tusiyoweza vuka eh? Eh. Eh? Kabisa. Eh? or ingalau fae vale da cete de deore eti muchimbe mashimu katika Avait pour roi les fils d'Achab e C'est lui qui avait succédé à son père, e qui, qui s'était marié en dehors de la communauté juive. Amba inje ya taifa Il avait épousé. C'est juste comme aujourd'hui quand un jeune garçon chrétien épouse une jeune fille pécheresse. Euh, Ou une jeune fille pécheresse épouse un jeune garçon chrétien. Ah oh, binti, Cela commence quelque chose là même. Ne vous mariez pas à quelqu'un qui n'est pas sous les mêmes jougs que vous comme croyant. Ou si vous mtu mwenye haiko chini ya kongwa sawa yako wewe sawa mkristo le savez vous je mwajua hiyo pour éviter les ennuis kwa kuepuka matatizo pour éviter les ennuis kwa kuepuka matatizo asema mjumbe William Marion Branham pour éviter eti kwa kuepuka le nini Le frère Branham dit Un mariage mixte comme cela n'est jamais florissant. No, C'est dans la l'offrande de farine, paragraphe 27. Hein? Un mariage mixte comme cela n'est jamais florissant. Eti, no, kamahiyo, Il ne peut pas l'être. Soit la femme se rangera du côté de l'homme, soit l'homme du côté de la femme. Quoi Ke, upande wa mume au mume au ajipange aipange upand wake akishafika fika bo mie uliniowaka hey. hey. unaiwa kama minahikunyaka yangu pombe hey, hey. nikabatizwa ju towannnikatazia uh -huh. nini pombe uh -huh. tima marie jebiv uliponioanpase kunya... marie De ne pas boire, ni je buvais, j'avais laissé ça à cause de toi. Ni li 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 li. Et hey. La femme te dit Bibi na na Moi je mettais mes bijoux, Mimi na tia ma je portais mes mini et j'étais belle.

<laughs> ma madrid ma ma <inaudible> L'esprit qui te retire dans une église il y a plusieurs filles comme ça. <inaudible> Roho Tu ne vois rien. <inaudible> Tous ces garçons là tu ne vois rien. <inaudible> Et des fois vous dites qu'ils n'ont pas de l'argent.

Et tant que chrétien, Et tant chrétien, a qui mu Christo? il a tout. A il va te donner la paix. que les païens ne peuvent pas te donner. Oh, il n'y a pas de beau garde dans l'église ici. Vous avez besoin de qui

ni mademo ni mapepo ndio mapepo za kwa tuna tunakuruta tunapiga na tukiona hazikufe tunazitiako hey. na moto pia naamini anafuata yesu hamuyuane hey. namkatala uende ukamata mpagani umulete hey. bazazi batafurai kuwa banakuwa na batoto mkanisa muta jizalie ba musika eh. ba, komale, ba bakubawa, kisha we uchomoke wende kuleta wainje inje tuku, na mikono tukufanyizie tuku, na fete eh. mkwe muna zibude eh. na musizie ndi eh. ba mama ba komalisha hapa eh. bakomale ba komale ndiyo Weye ubaache, mm. wende mpagani, mutuleteye tukupige nangoma natukuimbie eh, natukusindikizenoya mnawazaka bazazi banafurahi mm. makanisa zote kwenye banavifanyaka bamama banakwaka ao banajilamantetu nabazazi banajilamantaka ata batumishi vatumishi banakwaka roho iko ndio Eh, hey. dis. Dis. Dis ce que dit de la vérité. To amiane kweli? Quel pasteur veut élever des filles, vous les baptisez, vous les, vous les faites grandir, vous savez comment elles évoluent, on les laisse. Muchungadi gani ambaye atafulaishwa na kona alemsika ambatize Amukoleye amukomalisha kisha umwache, tu prends une paienne ou toi l'empagani. Tu l'amènes, une amuleta, tu la maries. Une amuo dans la même église. Parce que tu as été attiré par quelle beauté Ça Qu'est-ce que tu as vu de mieux, plus que nos filles ici Une fille qui suit notre prédication pendant 5 ans. Avec vous. Na wewe. Vous savez comparer là où ça ne marche pas dans le foyer. Vous pouvez savoir quelle est la sœur qui peut nous aider dans le conseil. Tu prends une païenne musulmane et dans quelques mois tu la mènes ici à l'air mariage. Elle n'a jamais en suivi même une prédication. Même le baptême ne le connaît pas. Quand elle sera en train de te tirer le nez, oh, voilà, ça ne pas marche pas. Mais qui l'a amené, c'est toi an, lia lia, oh, yendek, tak, hein? hein Hein Mais je crois que les prédicateurs devaient être très. C'est pourquoi Nehemia avait. Il avait tiré leur barbe et certains les avaient frappés. Il les avait battus. Parce qu'il avait compris qu'il avait dit aller chasser toutes ces femmes ici. Parce qu'elle ne savait même pas de ce que Dieu avait dit à Israël. Hein? 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 Di, je vais vous donner un petit verset. Pe... Si un si, un, si un chrétien mariait une femme de ce genre, cela dénoterait qu'il est déchu de la grâce. eti ukiona kijana qui on a qui dit à Anao à mon Kwamba, amekatiliwa Katiliwane Le choix paragraphe ni katika ujumbe unaoitwakuchagua que si on i obaraekuna mitao yenye, yenye ukiambiwa wanakushambulia nayo unaweza kosa na hajaya kula katika ujumbe unaoitwa eti mungu wa kizazi hiki kibaya mjumbe Branham anaeleza ya kwamba wenye walifanya hiyo dhambi ya ndoa mchanganyiko hawakuwahi samehewa. C'est très dur. Ni mambo magumu. Quand vous me voyez crier très très ferme, jeter les gens dehors, rester catégorique, je sais, je Una sais. Unapoona ninalalamika, ninakuwa makali kuhusu jambo hilo, ninajuaka kwenye. Des fois nina... même incompris par certains ministres. Des fois même incompris par certains ministres. Hata mara sielewi na wahuduma wengine. Sieleweki. Sieleweki

Je parlerai des questions-réponses pour positionner l'Église. Même si tu ne crois pas comme ça. Prends courage, viens écouter. Comme ça, tu verras là où nous on est perdu.

Quelqu'un m'avait dit il n'y a pas longtemps qu'il y a un qui est glissé dans notre église, qui a déjà fait la convention de se marier avec un païen qui est encore dehors, qui, qui l'attend qu'un jour qu'elle vienne me dire au revoir pour partir. Mais, tu me diras au revoir ça, me dire pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Kuna

Et l'évangéliste en question tente de poser des questions aux gens... Est-ce que le pasteur Patrick va accepter... d'aller lui poser des questions... Si vous l'avez fait... Par erreur... Et que c'était pendant que vous ne saviez rien... Ça c'était un dossier de Dieu... Il une vie... Ici, maïsah, où connais Dieu, Mungu, va voir a honne quel est la position actuelle que vous avez. Moi, c'est maman. Ouasasa, Est-ce que si on te donnait cette chance, tu peux la reprendre ou non? Sasa okipe wa ione ema wa anze upia au apana. Mais ne, ne continue pas à défendre une chose qui n'est pas bonne. J'insiste bien. Quand le messager se tiendra debout pour défendre son message, tous les pasteurs vont se taire. C'est lui le seul garant. Et faites attention quand nous lisons les citations. Fanya Ce n'est plus, plus Pasteur Patrick qui le dit, il ne fait que répéter. Les gens confondent des fois le prédicateur et celui qui a mené la citation. Watu wa Mjumbe ne pas confondre. mambo. Quand j'ai dit une chose que j'ai lu et que c'est différent de ta volonté, garde le silence tu dis il n'y fait qu'lire. Wakati ninapoleta kitu ambacho nilisoma, nyamanza usiseme vibaya kwa yenye haujui. Prions le Seigneur. Kwa hiyo tuombe Mungu. Ma fille, enyoua wabinti Nose pa Musi pime mes garçons. Vidjanawang, n'osez pas. Musipime. Mes parents, n'osez pas. Musipime. Prédicateur, n'osez pas. Musipime. La polygamie, c'est mal. Polygamie, an Mariage mixte, c'est mal. Noya mchanga nyi koni imba ya. Dieu puissant, notre Sauveur. Mon Causito, nous avons parlé à ton nom. Tu kwa Parce que nous avons lu ta Bible Maana tu Biblia et yako. nous avons apporté le message. J'ai pris que toi, le véritable enseignant, na wewe et tu rentres avec chacun pour lui faire comprendre la réalité. Je suis humain, ils sont humains, nous passons. Tuna pita, ta parole demain. Baline neno lako la domumile. Je gérerai le monde par ta parole. Uta wazaka hukumu dunia kwa neno. Je ne non. veux pas qu'aucun de ceux qui sont présents ici soit jugé. Sita ki hata mumoja wa wali hapa hukumi wake. Par la parole qui a été prêchée aujourd'hui pendant qu'il ou qu'elle était présent ou qu'elle était pr présente. Kwa neno lili lorubiri wale ona yeye alikuwa hapo wakati nilitolewa. Kile raccord de la capacité. Liwapatie uwezo. De prendre position pour la parole. Même si elle peut être contraire à ce qu'il sait. Bénis-les. Que nos requêtes soient répondues. Que les malades soient guéris. Que les problèmes soient résolus. accorde nous la grâce de la perfection. Au nom de Jésus-Christ. Kristo. la tête. Tu chanson de... Meditation wimbo wa kutafakari kwenye vyombo vya mzikindugu kuja ukamalize da 15 katika dakika kumi na tano tutakuwa mungu wa kweli wa uzima wa milele kabisa tunabariki na tunashukuru jina, jina lakuamn kwa sababu nilikuu